Bonsoir, c'est un assistant au départ de Marc. Le vol local de ce soir proposé par la compagnie VFR. Tout début de cette vidéo, on va y revenir tout à l'heure. Alors, avant de faire le briefing habituel, on va d'abord lancer la machine, comme ça, ça chauffera pendant qu'on cause. Et quelle heure il est? 21h25. Allez, hop là. Chaque chose en son temps. Voilà, tout ça, ça remonte. On met les beacons en marche. Ça, on va passer à voir si on a du carburant. Voilà. Tout est vert là-dedans. Ok, pas de mauvaise surprise aujourd'hui. Juliette Rentour, bonsoir monsieur, alignez-vous, piste 28, attendez. Voilà, on va rester dans le silence parce que sinon on va pas s'entendre parler. Donc, le moteur tourne. Allez, on va d'abord présenter la navigation. Donc, départ de Rennes. Par ici, on va se brancher aussi sur le VOR 114.3, voire se brancher sur la tour, des fois qu'on se perde. Voilà, ensuite peut-être un tour de piste, mais vu l'heure, ça m'étonnerait. Donc un toucher, partir par le nord pour aller à la pointe du Groin, aller taquiner le Mont-Saint-Michel, mais d'assez loin finalement. J'espère qu'on le verra un peu au loin. Ensuite aller vers Fougères et revenir par ici, donc en fait par là et contourner par le sud. Tiens, je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est la météo réelle. Ah, ce serait quand même mieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. WX Control, Switch to Live. Enregistré sous, on s'en fout. Flight plan, on le charge. Multitude de détails. Ah, et là j'ai fait quoi là? Bon. Donc, on continue. On a vu le plan. Donc, on voit que Marc est déjà bien avancé, lui aussi, Eric est parti depuis un moment. Tout le monde va se suivre finalement. Donc ça, je vais traquer cette chose-là, l'avion, mais comme d'hab, je ne le regarde pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de tout ce soir? On a la tour Saint-Malo avec Robert, Rennes approche, le sol, on va commencer par contacter, et la tour de Rennes, ça fait 4 fréquences.
Ça va, c'est gentil. Ça va bien partout pareil, j'ai l'impression qu'on va dire plus ou moins quelque chose. Par contre, on va grimper 3000 voire 3500 pieds. On est plutôt dans du latéral, donc on va être là comme ça, ça sera du plein travers. Donc j'ai calculé tout à l'heure entre 15 et 20 degrés de dérive. Cheminer par l'autoroute pour arriver quelque part, ça s'appelle une autoroute d'ailleurs, c'est une départementale par ici, va viser le point Echo Delta pour ensuite, en principe, si le vent vient du 220, non pas du tout, donc, on verra bien, on a le NDB ici. Donc je vais capter la radiale du bord ici, prendre le flanqué à gauche, et je vais rester avec la route là, c'est mon départemental à droite, pour atteindre le point Echo Delta qui est là. Et ensuite venir m'aligner sur une piste, pour faire une verticale terrain et m'adapter à la piste. Ensuite on redécolle, on passe par ici, un peu de côté, par là, c'est joli, très joli ici, venir ici, là, et par là, en fonction de l'heure, il est 21h30, donc ça va encore. Et revenir ensuite par ici, ouais, 21h30, faire un retour dans les 23h, le temps de manœuvrer et tout ça. Et la carte Matsim. On voit déjà du monde. Yankee Bravo, il est là-bas, donc il a dit qu'il allait se poser, Johan. Ce qui m'intéresse d'avoir, c'est ça. Ça. Alors.
est quelque part par là, on va regarder la tisse, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, soit on décolle par ici, soit on va décoller par là, parce que finalement j'ai vu les avions tout à l'heure partir par ici, sans doute par là, pour un décollage en 28. On garde ça sous la main, c'est bien. P3D, voilà. Alors, au niveau des fréquences. Ce soir, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, la TIS 126.4. Alors, 126. Temperature 8. Dew point 6. QNH 1028. Inform on initial contact that you have received information Alpha 2200 Zulu. This is LFR and information Alpha. Recorded at 0830 UTC. Expected approach ILS. Landing runway 28 and 32, takeoff runway 28 and 32 expect. Departure 1A1B. Wind 220 degrees 6 knots. CAV OK. Temperature 8. Dew point 6. Alors, QNH 1028. Inform on initial contact that you have received information Alpha 2200 Zulu. This is L. Ok, donc là on est branché sur le sol. On passe sur la tour ensuite, 126. On le garde. 126-25. Est-ce qu'on capte du monde? Personne sur la tour. Et ça sera 134.0 pour l'approche. Et pour Dinard, on prendra en compte l'information quand le contrôleur nous la donnera. On a dit les vores. Sachant que le nord
indiqué le transformateur EDF. C'est bien de le confirmer. Très bien. On respire, tout va bien. Ok. Comme ça, c'est mieux. Rensol de Fox, bravo Mike, bonsoir pour un essai radio. France VFR, bravo Mike, bonsoir monsieur, je reçois 5 sur 5. Bonsoir monsieur, 5-5 également. Ok, donc ça c'est ça fonctionne. Donc Rensol de Fox Golf Alpha, bravo Mike, hein. Cessna 182, deux personnes à bord au parking aéroclub. Avec l'information Alpha, demande de roulage pour un vol circulaire à destination de Dinard dans un premier temps et retour par l'Est sur Rennes dans un deuxième temps. Aéro France VFR, bravo Mike, transpondez 70-05, piste en service 28, le QNH 10-28, vous rappellerez pré-roulage. QNH 10-28, je vais transponder 70-05, Fox, bravo Mike, je rappellerai au point d'attente 28, Fox, bravo Mike. Non, juste pour le roulage, quand vous démarrez. Ah, autant pour moi, juste pour le roulage, ok. Rensol de Fox, bravo Mike, prêt au roulage. France VFR, bravo Mike, et bien roulé, point d'attente de la piste 28 via Golf et bravo. Je roule vers la piste 28 via Golf et bravo Fox, bravo Mike. Alors, juste pour vérifier. Via Golf ici et ensuite on va bravo là. C'est parti mon kiki. Essai de frein, il est 42. Alors à gauche les caps diminuent, la bille part à droite, on est d'accord. L'horizon est stable. Virage à droite, les caps augmentent, la bille part à gauche. Et il y a l'autre truc là qui m'agresse. Il va falloir comprendre ce que c'est que cette histoire. Ok, on s'arrête. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Saleté de reflet là, c'est pas agréable. France VFR, bravo Mike, contactez Rentour sur 126.250, je te souhaite un bon vol Pascal et à tout à l'heure. 126.25, merci Philippe, à tout à l'heure, au revoir. Et toi avec FV ça marche, France VFR. Eh oui.
Par contre, ce que tu pourras faire, c'est le mettre plus tard dans les remarques, tu sais, de ton V-pilote. Tu mets V égale France VFR, comme ça tout le monde le saura. Ok, c'est noté. Allez, je bascule, à tout à l'heure. Tout à l'heure et bon vol. Merci. Bon, alors. Rentour de Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonsoir. Fox Alpha Bravo Mike, Rentour, bonsoir monsieur. Alignez-vous, piste 28, rappelez prêt au départ. Oui, Fox Bravo Mike, j'allais vous annoncer au point d'attente pour des essais moteur et réglage, peut-être d'un petit problème technique, donc si je stationne un peu longtemps, c'est normal. Pas de soucis, bravo Mike. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour casser les pieds? Pénible ça, j'ai jamais eu ce truc là encore. Enfin, autant que ça en tout cas. Bon, ça s'appelle les aléas du direct, hein, on est d'accord. Ce qui est pas normal, c'est qu'en fait ça reste aussi longtemps que ça, quelle que soit la direction. C'est pour ça que je change. Sinon, ça va pourrir tout le vol. Ok. Bon, alors. Ça sera 134.0. Rentour le Fox Golf Alpha, bravo Mike, point d'attente 28. Je suis prêt. Bravo Mike, calignez-vous. Piste 28, autorisé à décollage les vents du 200 à 8 nœuds, rappelé approchant novembre. Je m'aligne en 28, autorisé décollage, je rappelle novembre, Fox Bravo Mike. Et retour, bonsoir, Fox Golfing Club à Charlie, au point d'attente, pardon, Alpha de la piste 28, on est prêt au départ. Fox Golf Yankee Alpha Charlie, alignez-vous, piste 28 et attendez. Transpondeur Charlie. On attend par piste 28, Fox Alpha Charlie, merci. Ok, donc je mets la pompe. J'aurais dû mettre un cran de volet. On est aligné en 28. Alpha Bravo Mike, transpondeur Charlie. Reçu, je transponde Charlie. Alpha Bravo Mike, transpondeur Charlie, je suis prêt, je décolle. Reçu, bravo Mike.
9. Golf Yankee Alpha Charlie, piste 28 autorisée à décollage, les vents du 208 nœuds, rappelé approchant novembre. Piste 28 autorisée au décollage et on rappelle en passant novembre Fox Alpha Charlie. Je sais pas pourquoi l'audio du moteur elle est basse comme ça, décidément. Fox Alpha Bravo Mike, contactez Rennes approche 134 décimal 00. Bon vol, au revoir. Je contacte Rennes approche 134 décimal 00 Fox Bravo Mike, au revoir, à tout à l'heure. Bon, donc tu en étais bien ici. Ok, je prends un 340 pour compenser déjà la dérive. Voilà, on s'installe. 600 pieds, 120 nœuds. Pourquoi ce moteur, je l'entends pas. Je sais pas. Rennes approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Bonsoir. Fox Golf Alpha Bravo Mike. Bonsoir monsieur. Donc Rennes approche le Fox Golf Alpha Bravo Mike au départ de Rennes à destination de Saint-Malo. Pour monter 3500 pieds avec le transpondeur 70005. Fox Bravo Mike, bien reçu. Il y a du monde en ce moment sur Saint-Malo, donc prévoyez une attente à Sierra Whiskey Delta. Reçu pour l'attente Sierra Whiskey Delta, Fox Bravo Mike. Donc montez 3500. 3500 autorisé. 3500 autorisé, Fox Bravo Mike. Et Roméo Lima est en attente Sierra Whiskey Delta à 1500 pieds. Roméo Lima, je vous ai toujours, la tour est toujours un peu chargée. Okay. Je patiente. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en attente à novembre Whiskey Delta. Sierra Whiskey Delta, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ok, je vais aller voir novembre Whiskey Delta pour Roméo Lima. Merci. Un petit 80 nœuds, voilà. Confirmez la piste en service, Adina. La 17. 17, c'est pris, Roméo Lima. Rail Control, bonsoir monsieur Siberia. Lima Echo Oscar en VFR actuellement au-dessus de Dinard. Donc un petit... Siberia Lima Echo Oscar, bonsoir monsieur, vous êtes identifié. Ok. Siberia Lima Echo Oscar. Vous rappellerez pour mon arrivée sur Rennes. Bien monsieur Echo Oscar.
Ryan approche. Bonsoir, Fox Golf Link Alpha Charlie au niveau. Pardon, on est à 1100 pieds pour des tours de piste à Rennes. On passe devant. Fox Alpha Charlie, je vous reçois très faiblement. J'ai compris que vous voulez faire des tours de piste à Rennes. Oui, c'est ça, Fox Golf Link Alpha Charlie pour des tours de piste à Rennes et on vient de passer devant. Ok, Alpha Charlie, je vais vous rebasculer vers la tour de Rennes alors dans ce cas-là. Pas de soucis, on rebascule vers la tour 126, 126 décimales 25. Cyberavia Alpha Lima Alpha, vertical November Echo Delta à Dinard, je sors de la zone. Cyberavia Alpha Lima Alpha, bien reçu, vous êtes identifié, poursuivez votre route. On poursuit Cyberavia Alpha Lima Alpha. La page de Fox Golf Romeo de Fox, merci. Fox Golf Romeo 2 fois Fox, rebonsoir monsieur. Ok, on voit le. Fox Romeo Fox, une personne à bord. On est actuellement vers le terrain d'Inard, 2000 pieds, on monte vers 3000 et on poursuit direction November Echo Delta. Fox Romeo Fox, c'est noté, poursuivez. Ok, verticale autoroute, la première. Enfin non, la deuxième, pardon. Non, j'ai des bêtises, c'est bien ça, la première, il y en a l'autre départementale là-bas. Mais j'oublie la départementale puisqu'il m'a dit d'aller balader du côté de. L'autre point. Ok, 3200. Je fais secouer la LCMU à 25 images par seconde. 30 images, c'est revenu. Ok. Rennes approche, rebonsoir. Cyberavia Papa Juliette avec vous. Nous avons effectué un toucher sur Dinard et nous souhaitons sortir en novembre Echo Delta. Cyberavia Papa Juliette, c'est bien noté. Rappelez vertical novembre Echo Delta. Nous vous rappelons vertical novembre Echo Delta, Papa Juliette. Roméo Lima arrive novembre Whisky Delta pour intégrer circuit de piste dès que possible. Roméo Lima, ça va être possible. Faites un tour et a priori ce sera bon. Roméo Lima. Rennes approche, Fox, bravo Mike. Bravo Mike. Donc le Rennes approche le Fox Bravo Mike, stabilisé 3500 pieds, donc en destination de Saint-Malo. Vous m'aviez donné quel point tout à l'heure pour le point pour aller faire des attentes? Sierra Whiskey Delta. Sierra Whiskey Delta, je le cherche. Rennes approche, Fox Tango Papa, bonjour. Fox Romeo Lima contacté Dinard Tour sur 120 décimales 15. Désolé pour l'attente. Fox Romeo Lima, je passe avec la tour 120 décimales 15 tout à l'heure. Lima Alpha Yankee Bravo à 14 nautiques à l'est des installations du point Echo des installations de Rennes-Saint-Jacques pour autorisation d'aller sur le point Echo. Yankee Bravo. Yankee Bravo, eh bien faites route sur le point Echo et rappelez vertical.
On vous rappelle en verticale du point Echo, Yankee Bravo. Donc la question c'est où est-ce que je suis maintenant? Tout à l'heure j'ai passé ça, et là je suis quelque part par là, à trouver. Il y a la forêt qui est devant. Ah, il y a un patelin avec une grande roue. Fox Tango Papa, Arena Proche, bonsoir. Fox Tango Papa, bonsoir monsieur. Fox Golf Alpha Tango Papa, un DR 400, une personne à bord, on vient d'être lâché par Dinar, on est estimé à 2 minutes de Echo Delta pour un vol à destination de Rennes. Fox Tango Papa, bien pris, rappelez approchant novembre Echo à Rennes s'il vous plaît. On rappelle en approche de novembre Echo sur Rennes, Fox Tango Papa. Fox, c'est bien pris, reprenez votre route, vous poursuivez votre navigation, pardon. Whisky Delta. C'est Plancoët. Ouais, tu parles d'une information. Alors là, Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike vous écoute. Fox Bravo Mike, ça s'améliore un peu sur Dinar, donc faites route sur Whisky Juliette Delta, rappelez vertical. Route sur Whisky Juliette Delta, je rappelle vertical, Fox Bravo Mike. Whisky Juliette Delta, ok, bon bah c'est tout du côté de la côte. Là, depuis tout à l'heure, je suis au 300. Donc est-il utile de préciser que je suis largué? Alors on va simplement faire un truc, c'est qu'on va ralentir. Ça évitera d'avancer trop vite. Puisqu'on ralentit. Ah, elle est bonne celle-là. Alors. Ouais, ici le simulateur il m'aide pas quand j'ai besoin de lui. Approche. Unité 5 Mike Zulu sur le point Novembre Delta pour intégration piste 17. Mike Zulu, contactez Dinar Tour sur 120 décimales 15.
122 décimal 15, merci. Correction, unité 20, point unité 5. Vertical novembre Echo Delta, Cyberavia Papa Juliette. Cyberavia Papa Juliette, bien reçu, poursuivez votre route. Reçu Papa Juliette, j'ai l'intention de faire quelques cercles au-dessus du Mont Saint-Michel. Bien pris. Michel, on a l'autorisation de faire un petit 360 par la gauche. Autorisé pour un 360 par la gauche, attention au trafic, même altitude dans vos 9h. C'est reçu pour le trafic, on fait attention, on va monter à 100 km au-dessus. Contactez Rennes de Dinartour sur unité 20, décimale unité 5. Fox Yankee Bravo, contactez Rennes Tour sur 126 décimal 250. On contacte Rennes Tour sur 126 décimal 25 pour Alpha Yankee Bravo. Merci pour le contrôle. Merci, à bientôt. Ok, alors je sais pas ce que j'ai foutu, mais alors... Rennes approche, Golf Tango Bravo, rebonsoir. Golf Tango Bravo, rebonsoir. Golf Charlie Echo, Tango Bravo, Robin ADR 400, une personne à bord au départ de Dinard, on est à monter à 2000 pieds, pour un vol VFR vers Rennes via Saint-Brieuc, transpondeur 7001, Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo, bien reçu, rappelé en sortant par Sierra Whiskey Delta. On se reporte Sierra Whiskey Delta, Golf Tango Bravo. Rennes approche de Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike au sud des installations de Saint-Malo, visuel sur les installations environ 3 nautiques. Je me dirige donc toujours sur Whiskey Juliette Delta. Golf Bravo Mike, c'est bien pris, la piste en service étant la 17 à Dinard, rappelé vertical Whiskey Juliette Delta. Je rappelle le vertical Whiskey Juliette Delta pour la... Il est bien noté la piste 17 en service. Oui, Rennes approche pour descendre 2000 pieds de Fox Bravo Mike. Le Fox Bravo Mike descend à altitude de 2000 pieds, QNH 1022. QNH 1022 pour descendre à 2000 pieds. Alors Whiskey Juliette Delta, il doit être quelque part par là-bas. Bon là c'est infernal le simulateur. Ça aide pas. La panade, il aide pas. Alors Whiskey. Golf Tango Bravo, vous ferez attention au Cessna 182 dans vos, à vos 1h qui descend à 2000 pieds aussi.
pas bien pris l'information, trafic Golf Tango Bravo. Le Fox Bravo Mike, 2000 pieds, à environ une minute de Whisky Juliette Delta. Bravo Mike, contacté Dinartour sur 120 décimal 15. 120 décimal 15 pour Dinartour, Fox Bravo Mike. Faire retour Rennes via le Mont Saint-Michel et Fougères. Roméo Lima, transbondé 70-01, roulé vers le point d'attente de la hôtel de la piste 17, QNH 10-22 et rappelé prêt au départ. Unité 5, Mike Zulu en finale, piste 17. Alors, 10-22 le QNH et je roule le point d'arrêt hôtel Roméo Lima. Unité 5, Mike Zulu, piste 22, autorisé à l'atterrissage, vent 220 degrés pour 12 nœuds. Unité 5, Mike Zulu, vous pouvez le rappeler s'il vous plaît. Unité 5, Mike Zulu, piste 17, autorisé à l'atterrissage, vent 220 degrés, 12 nœuds. Merci. Unité 5, Mike Zulu, atterrissant, piste 17. Dinartour de Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonjour. Fox Bravo Mike, bonsoir monsieur. Bonsoir, le Fox Golf Alpha Bravo Mike, un Cessna 182. Deux personnes à bord en provenance de Rennes, actuellement 2000 pieds, en principe vertical Whisky Juliette Delta, pour me diriger vers vos installations pour un toucher. Fox, Bravo Mike, rentrée en base, main droite, piste 17, et rappelée en base. Je vais rentrer en base, main droite pour la piste 17, je rappelle en base, Fox, Bravo Mike. Unité 5, Mike Zulu, atterri. Alors là... Piste 17. Unité 5, Mike Zulu, vous libérez la piste par Juliette. C'est votre deuxième taxiway sur votre droite. Et vous rappellerez piste libérée. Roméo Lima, depuis le point d'attente, alignez-vous piste 17 et attendez. Oui, je finis mes essais, monsieur, je vous rappelle plus au décollage, Roméo Lima. Ok, alors. Et Roméo Lima, point d'attente, hôtel, prêt au décollage. Roméo Lima, depuis le point d'attente, alignez-vous piste 17 et attendez. Je m'aligne depuis hôtel. Unité 5, Mike Zulu, depuis hôtel. Dégagé. Je quitte la fréquence.
Unité 5 Mike Zulu, ne quittez pas la fréquence juste tout de suite. Vous roulez au parking de l'aviation générale et vous rappelez pour quitter la fréquence. Oh non, parking de l'aviation générale. 4 nautiques, j'y suis dessus, donc 2, je le vois pas. Ah si, ça y est, ok, visuel installation. Alors 17. Romeo Lima, piste 17, autorisation au décollage. Vent 220 degrés pour 12 nœuds. Piste 17, je décolle, Romeo Lima. Ok, donc là on va ralentir, chercher la piste 17 et celle qui est à droite. Donc ah non, la piste 17 c'est celle-là, ok. Oh là là, pas du tout. Oh, oh, tu fais quoi là? D'accord, donc j'arrive sur la base, la 17, directement. Roméo Lima, contactez Rennes Approche sur 134.0. Bon vol, monsieur, et bonne soirée. Rennes Approche 134.0, merci, bonne soirée, une prochaine fois. Roméo Lima. Alors, un cran de volée, la pompe, on est 1200 tirs. Dinard Tour, Dinant, Saint-Malo Tour de Fox, bravo Mike, début de base pour un toucher sur la 17, 1200 pieds. Bravo Mike, rappelé final, piste 17, vous êtes numéro 1. Numéro 1 sur la 17, je rappelle final, bravo Mike. Salut à Dinard, monsieur, bonne soirée. Ah. Unité 5 Mike Zulu, bonne soirée. Fox, bravo Mike, final pour un toucher sur la 17, Saint-Malo. Bravo Mike, autorisé option, piste 17, vent 220 degrés pour 12 nœuds. Autorise option, piste 17, Fox, bravo Mike. Salité. Ok, donc là on est à 60. On remonte les crans de volée, on remet les gaz, on se souligne. Bravo Mike, autorisé, vertical de terrain et rappelé en sortie de zone sur November Delta. Autorisé, vertical terrain, je rappelle, November Delta en sortie de zone, Fox, bravo Mike. Alors le Cessna c'est bien, mais alors pour voir sur le côté, que dalle. Bon, là côté là-bas, on va le voir apparaître. Le Simu est à la ramasse, saleté.
et 15 images. Donc voilà, novembre delta, il est quelque part par là-bas. Vertical du terrain, 1700 pieds. Ok. Pourquoi j'entends pas le bruit du moteur ce soir? Ça me fatigue ça. Donc là, ça se voit pas, mais j'ai la carte vague sous le nez sur un autre ordinateur. Heureusement, parce que sinon je serais complètement largué. Allez, juste pour le principe, on va regarder un peu. Stable, je montrerai la carte et je montrerai tout ce que je veux montrer, mais c'est difficile. Dinard de Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike, je vous écoute, monsieur. Donc Dinard le Fox Bravo Mike, 2000 pieds à 20 secondes de la verticale de Novembre Delta, demande à prendre la route de Novembre Echo Delta en vol côtier 1500 pieds. Fox Bravo Mike, rappelez vertical Novembre Echo Delta. Je prends la route à direction Novembre Echo Delta, je rappelle Novembre Echo Delta, Fox Bravo Mike, et descend 1500 pieds. Alors là, on est sur du 70 à peu près. De toute façon, on vise la pointe à l'autre bout. On va plus ou moins tangenter. On est 1500 pieds, donc on reste ici 1500 pieds. Alors là, en principe, je devrais avoir le vent qui est plutôt de l'arrière, ce qui veut dire que, tiens, ça je l'avais pas mis depuis le début. 1500. Et il est 22-23. Stabiliser, donc je vais rester sur une vitesse pas trop rapide, à 100-110 nœuds, pour en profiter un peu quand même. 1500 pieds, ça m'arrangerait que je fasse un peu de choses. A priori, je vois la anse du Kinklin.
droite, le petit village avec la tour, c'est Saint-Coulon. Vous savez, on était en vacances par là, quelquefois, il y a quelques années. Si vous ne connaissez pas la Anse du Guéclin, je vous invite à y faire un tour. C'est simplement magnifique. Voilà. Ok, en passant pour ici. Bravo Mike. Fox Bravo Mike, je vous écoute monsieur. Fox Bravo Mike, on est 1200 pieds à 30 secondes de la verticale Novembre Echo Delta pour un 360 et ensuite une prise de route vers le Mont Saint-Michel. Fox Bravo Mike, vous quittez ma zone de contrôle et contactez Rennes Approche sur 134.0. Bon vol monsieur, bonne soirée. Et je vais vous quitter pour passer avec Rennes Approche sur 134.0. Merci monsieur, bonne fin de journée, au revoir. Rennes Approche tout de suite, c'est normal. On navigue, on pilote, on navigue et on communique. Pour le moment, je pilote. Et je fais un beau virage en palier, c'est bien. Hop là. Voilà. Voilà, je recommanderais mon divin aussi à la pointe du coin, c'est qui. Contactez Dinard Tour sur 126.250. Ah non, j'ai été passé dessus. Attention, contact Dinard 120.150, Fox Alpha Charlie à tout à l'heure. Ah, en effet, je vous ai passé à Rennes 120.150, pardon. Donc là, on est sur un 150, c'est bien. Solidaire 014, intercepté ILS piste 28, rappelé établi.
On intercepte les LS piste 28 et on rappelle l'établi solidaire 014. Rennes approche de Fox Golf Alpha, bravo Mike, rebonjour. Fox Golf Alpha, bravo Mike, rebonjour monsieur. Donc le Fox Golf Alpha, bravo Mike, libéré par Dinard Tour au sud-sud-est de Novembre Echo Delta pour une route à destination de la ville de Fougères, 1500 pieds, et ensuite une route vers le point Echo de Rennes. Fox Bravo Mike, eh bien faites route sur Fougères et rappelez pour suivre sur Rennes s'il vous plaît. Je fais route sur Fougères et je rappelle en retour sur Rennes, Fox Bravo Mike. Golf Romeo de Firefox, on est à 5 minutes estimées vertical Echo. Alors là, je suis Fox, Romeo Fox, c'est bien pris, prévoyez un attentat Echo, maintenez 2500 pieds s'il vous plaît. Ouais, donc dès le début. C'est reçu attentat Echo, maintenez 2500 pieds Romeo Fox. Sommes établis sur l'ILS de la piste 28. Eh bien, Solidaire 014, contactez Rennes Tour sur 126.250. On contacte Rennes Tour sur 126.250, Solidaire 014, merci. Cyberafia, Alpha Lima Alpha, après le prochain tour, vous pourrez prévoir une intégration semi-directe main droite sur la piste 28 de Rennes. On termine le tour en cours et on a l'autorisation d'approche piste 28 à Rennes. Cyberavia Alpha Lima Alpha. Ok, donc en principe on va droit sur le Mont Saint-Michel, on est route à l'est. Ok, je vois où on est sur la carte. Si on va droit sur l'est, on est quelque part ici. En fait, j'ai fait ça. Hop là. Bon, comme ça au milieu de la baie, hein. Cap plein est, c'est pas difficile, c'est Mont Saint-Michel. Donc, pile derrière. Romain Lima passe Fougère vers le point Echo et je descends 1500 pieds. Romain Lima, comme il y a du trafic sur Rennes, je vais vous demander de garder 3000 pieds s'il vous plaît, rappelez approchant Echo. Eh bien, je garde 3000 pieds, je rappelle approchant Echo, Romain Lima. Espèce de marécage que ça fait.
Bon, alors donc, visuel sur le mont Saint-Michel. Alpha Lima Alpha a contacté Rennes Tour sur 126 décimal 25. On passe avec la tour sur 126 décimal 25. Cyberavia Alpha Lima Alpha, merci pour le service. Romeo Fox, on attend sur Echo 2500 pieds. Romeo Fox, bien pris, maintenez l'attente sur Echo. Vous serez numéro 3. Quand j'ai besoin de regarder, tu m'empêches pas de regarder. Bon, là, on doit être à peu près à la verticale du point. Fox, Echo, Romeo, India, Charlie, prépare-vous. Rappelez en étape de base, main droite, piste 28 à Rennes. On rappelle en étape de base 28 sur Rennes, Fox India Charlie. Cyberavia Papa Juliette, vous vous mettrez en attente à la ville jaune. 2000 pieds sur Echo, s'il vous plaît. Une grande ligne droite. 2000 pieds sur Echo en attente, Cyberavia Papa Juliette. Fox, Romeo Fox, descendez 1500 pieds. C'est ça. Le canal va sur la droite de la ville. Il y a une route qui part comme ça vers le mont Saint-Michel qui est sur mes arrières. Donc le patelin c'est Pont-Torson. Et il faut qu'on soit perpendiculaire à la route que j'ai pas encore vue. Ce qui est bizarre. Bien noté, 2 DC-3 en transit sur la zone. Si vous êtes identifié. Bien reçu pour une assurance. Ok, donc là on doit avoir 5. Vos intentions 7. Juste transiter ou complet sur Rennes jusqu'à Dinard en faisant une bascule vers le Mont-Saint-Michel. Ok, bien pris. Donc vous basculez sur le Mont-Saint-Michel et un complet sur Dinard. Tout à fait. Romeo Lima arrive sur Echo 3000 pieds. C'est pas compliqué, on va avoir une autre route. Romeo Lima, eh bien, mettez-vous en attente à 3000 pieds sur Echo, s'il vous plaît. J'attends 3000 pieds sur Echo, Romeo Lima. C'est pas loin de Fougères. Fox India Charlie, en étape de base à 1140 pieds pour un complet sur Rennes. Donc Fox India Charlie, contactez Rennes Tour sur 126 décimales 250. On contacte Red Tour sur 126 décimales 250. Merci pour le service. Au revoir. Un radial 110 degrés en from.
Roméo Fox, ça va bientôt être à vous. Rappelez en étape de base main droite, piste 28. Ah, on est déjà sur du 102. On veut pas que c'est reçu, on rappelle étape de base, piste 28. Je vois sur 100 degrés, c'est qu'on est à 2-3 minutes. Bon, alors là, je suis sur du 60, là, je suis parti trop à droite. Ça va pas au-dessus d'une forêt. Là, effectivement, il y a une forêt. Si bien via Papa Juliette, vous pouvez descendre à 1500 pieds. Nous descendons 1500 pieds, Papa Juliette. Toujours en attente 3000, il y a plus bas disponible sur Echo. Excusez-moi, Roméo Lima, j'ai pas bien compris. Oui, toujours en attente Echo 3000, est-ce qu'il y a plus bas disponible sur Echo? Affirmatif, vous pouvez descendre à 2000 pieds si vous le souhaitez. Descends 2000 pieds en attente sur Echo, Roméo Lima. Ok. Là, il y a un grand échangeur. Qui file direct vers Fougères, très bien, donc où je suis. Ah ben, je me suis presque retrouvé à un poil au sud de ce que je voulais. Finalement, c'est pas mal, on est sur du 140, c'est bien. Cyberavia, Papa Juliette, après le prochain tour intégré en semi-direct, piste 28, main droite. Après ce tour 6, j'intègre semi-direct 28, main droite, Papa Juliette. Alors Fougère, ça sera du 220. De Fougère à Arène, ça sera du 220, je dirais. Allez. Alors, bah, visuel sur le château, il est juste là. C'est celui qu'on vient voir ici, là. Ok, donc là, on va flirter vraiment à... Roméo Lima, stable 2000 pieds. Bien pris, Roméo Lima. De toute façon, il n'y a pas de temps, le château, on le voit ici.
Bravo, on va y rester. Trafic dans les environs. Allez, bon, on en profite, hein, c'est aussi pour ça qu'on est vu. Cyber via Papa Juliette, contacté Rennes Tour sur 126 décimales 250. Avec Rennes Tour 126 décimales 250, merci pour le contrôle, Cyber via Papa Juliette. À bientôt. Fox Romeo Lima, vous pouvez descendre à 1500 pieds. Voilà. Je descends 1500 pieds, Romeo Lima. Et on est parti. On vire plein gaz, on remonte. 2000 pieds. RPM à fond. On cherche 200. J'ai un 200. Sur la droite, il faut rester à sa gauche. Semi-direct, main droite, piste 28. À l'issue de ce tour, semi-direct, piste 28, Roméo Lima, merci. Rennes approche de Fox Golf Alpha, bravo Mike. Bravo Mike, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Oui, Fox Bravo Mike, je vous appelais donc pour vous informer que je viens de passer Fougère, je suis 2500 pieds, route 220, direction de Rennes, donc pour une arrivée par écho. Eh bien, Fox Bravo Mike, rappelez Vertical Echo. Fox Bravo Mike, je rappelle Vertical Echo. Normalement, on dit à la fin, mais bon. Là, je suis plus du tout sur la route. Bien, alors ce que je vais faire pour pas me tromper, c'est que je vais prendre un approche cyber via Mike Bravo. Bonsoir monsieur. Cyber via Mike Bravo. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Cyber via Mike Bravo. Vol VFR Kiskrift Dinard en passant par le Mont Saint-Michel, actuellement dans le sud de Dinard, à mi-chemin entre Dinard et Rennes. Ok, Cyber via, je ne vous vois pas. Vous pouvez vérifier que le transpondeur est bien en mode Charlie, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je n'avais pas le transpondeur en route. Eh bien, écoutez. Fox Cyberavia, Sierra Mike Bravo, je vous vois maintenant. Donc, si j'ai bien compris, une arrivée sur Dinard en passant par le Mont Saint-Michel, c'est bien ça? Tout à fait, pour un complet à Dinard. Ok, très bien, eh bien, rappelez Vertical du Mont Saint-Michel alors. Ok, je vous rappellerai Vertical du Mont Saint-Michel. Excusez-moi encore et merci pour le contrôle. Y'a pas de soucis. Roméo Lima, j'ai passé écho vers la piste 28. C'est une autoroute là, je devrais la voir mieux que ça. Eh bien, Roméo Lima, contactez Rennes Tour sur 126 décimales 250. 126-25 Rennes Tour, merci, bonne soirée, merci pour le contrôle, à une prochaine fois, Roméo Lima. Merci à vous, bonne soirée, à bientôt. Ok, alors maintenant on va basculer sur 109-25. Et on va le chercher, donc il est plutôt vers l'ouest. Il devrait être dans les 200, 220 si j'étais sur la bonne route. Hein.
Est-ce que je suis sur la bonne route? Je suis sur 240. Bon, bah 240 pile dessus. Eh ben, c'est que je suis bien placé alors. Je trouve pas mes repères, mais c'est que je suis bien placé. Alors on va y rester, 120 nœuds. On va descendre à 2200 tours.
approche Foxtrot India Sierra Alpha vertical 3200 pieds du Mont Saint-Michel. Siberia India Sierra Alpha bien reçu. Là c'est ici, moi je suis plutôt par là, donc il faut que j'arrive vraiment ici. Donc en fait dans le pire des cas je vais là, clac, je vais ici. Donc je me laisse border par la tour. Donc là, on a un grand rond-point immense. On a l'entrée de la ville ici, avec la rivière, par en principe, on est sur le coup. Rennes approche de Fox, bravo Mike. Golf Alpha, bravo Mike. Fox, bravo Mike, pardon, contactez Rennes Tour sur 126.250 et vous pouvez intégrer directement. Je contacte Rennes Tour sur 126.250, Fox, bravo Mike. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Au revoir, bonne fin de journée, bon vol, bon atterrissage surtout. Oui, merci. Rennes Tour, Siberavia Mike, bravo. Siberavia Mike, bravo. Oui, rebonsoir. Rennes Tour de Fox Golf Alpha, bravo Mike, rebonjour. Fox Alpha Bravo Mike, Rennes Tour, rebonsoir monsieur. Procédez direct installation, rappelez en vue. Je rappelle en vue des installations Fox Bravo Mike. November 195, ready for departure? I'm flying, thank you. One second. Qu'est-ce qui se passe? On va faire ça comme ça. On va arriver sur la 28. 195, runway 28, clear to take off. Winds from 200 degrees, 9 knots. Okay, très bien. Clear to take off, November 195, runway 28, thank you. Romeo Lima, vent arrière, piste 28. Romeo Lima, poursuivez, rappelez base 28. Je rappelle base 28, Romeo Lima. Attention, la VNE. Fox Alpha Bravo Mike, procédé vertical installation, rappelez vertical. Fox Bravo Mike, donc j'allais vous informer que j'ai le visuel, donc vertical et je rappelle vertical Fox Bravo Mike. One out of five, radar contact. Contact approach 134.00. Have a good flight, sir, bye bye. 134.00, thank you, bye bye. Donc le tour de piste étant à 1100 pieds, 1600 pieds c'est bien pour la verticale. Je vais garder mon 120 nœuds pour avoir un 100 pieds, un 100 nœuds sol. Romeo Lima en base piste 28 complet. Romeo Lima, rappelé final 28, bien reçu pour le complet. Je rappelle final 28, Romeo Lima. On y revient. Je suis stable, 120 nœuds R avec une
constante, on va s'aligner sur la piste, sur la 28, et on ira chercher donc l'avant arrière. Roméo Lima en finale, piste 28. Roméo Lima, piste 28, autorise atterrissage, les vents du 200 à 9 nœuds. Rappelez piste dégagée. J'atterris 28, rappel piste dégagée, Roméo Lima. Rentour Fox Bravo Mike 1500 pieds vertical terminé. Fox Alpha Bravo Mike, procédez vent arrière main droite piste 28, rappelez vent arrière. Fox Bravo Mike, je rejoins la début de la vent arrière et je vous rappelle vent arrière 28 main droite. Ok. Donc là je suis vertical, je prends bien mon 280. Roméo Lima, la piste est dégagée en Charlie. Roméo Lima, reçu, contacté de sol, 121-725, bienvenue à Rennes, bonne soirée. D'industriel. Le sol 121-725, et merci, bonne soirée, une prochaine fois. Donc le vent va me rabattre, faut que je maintienne à gauche. Ok, on est parti, on cherche 1100 pieds. On réduit, mais pas trop. Donc ça ferait quasiment du 300, allez, un 350. Tour Fox Bravo Mike, je m'installe en vent arrière pour un complet sur la 28 en avance. Fox Alpha Bravo Mike, vous êtes numéro 1, rappelez finale 28. Numéro 1, je rappelle finale 28 Fox Bravo Mike. Un cran de volet, je suis dans le vert, enfin dans l'avant plus exactement. Je cherche mon 82, voilà. L'inter machin, je suis entre convergent, clac, on trim tout ça, 89, allez, plein RPM, ça sera mieux, mixture à fond, la pompe 1100 pieds, 82, ça me va. Sur un 110 légèrement convergent, et ben voilà, quand tu veux c'est bon ça, et voilà, non, il pousse à droite, il pousse à gauche. Plus du vent qui vient de la droite, on va chercher plutôt 200.
c'est l'heure de pouvoir abattre. Bien, n'oublie pas de descendre. Voilà, je suis un peu convergent quand même, faut pas déconner non plus. Attention à la vitesse. Voilà, 200, c'est bien. On est à peu près perpendiculaire. On cherche les 600 pieds. On a de la place de toute manière. Si je mettais un deuxième cran, ça sera encore mieux. 600 pieds, 82, on stabilise. Ok, alors on y va. Je suis un peu haut. 3 crans de volet, mais j'ai de la place. Rennes Tour Fox, bravo Mike, début de la finale pour accomplir sur la 28. Bravo Mike, piste 28 autorisée atterrissage, les vents du 200 à 9 nœuds. Rappelez piste dégagée. Autorisé atterrissage 28 du Fox, bravo Mike, je rappelle piste pour dégager la piste. Ok, pour la vitesse, on va résorber. Voilà, quand on veut, c'est possible. Tour Fox, bravo Mike, piste 28 dégagée. Fox, bravo Mike, contactez le sol 121 décimal 725, bienvenue à Rennes, bonne soirée. Je contacte le sol 121 décimal 725, merci, bonne fin de journée, au revoir. Rennes Sol de Fox, bravo Mike, rebonjour. Aéro France BFR, bravo Mike, rebonsoir monsieur, je vous reçois 5 sur 5. Rennes Sol, rebonsoir, donc piste 28 dégagée, demande de roulage pour parking Aéroclub et pour quitter. Alors, Aéro France BFR, bravo Mike, le parking Aéroclub est fermé, donc je vous mets au terminal passager. Et ce sera à gauche de l'écureuil AS50. C'est reçu, je me dirige donc vers le terminal. J'essaye de voir où ça se trouve. Merci. Bon, ben, ce sera à ta gauche, et puis comme si tu allais sur le taxiway Alpha. En fait, c'est juste pour faire une photo finish, hein. Il y a du monde. Ok, c'est bien reçu, je vois des appareils, je me dirige vers eux. Voilà, on est en train de tous rigoler parce qu'il y a énormément de monde sur Rennes, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Ah effectivement, c'est intéressant. Ah, j'en vois déjà quelques-uns là sur ma droite. Dépasse la 320 et l'écureuil est juste après. D'accord. Voilà, je me retrouve face à un autre appareil. Hein. Ok, bah, je bouge alors, il a l'air d'être immobile celui-ci, et bah oui, le moteur est arrêté. Ah bah c'est pas lui là qui est juste à ma droite. La 320 est à ta droite.
Non, l'écureuil. J'ai pas d'écureuil, mais juste un appareil comme le mien d'ailleurs. Ouais, ben l'écureuil est après, en fait. Ok, pas de visuel sur l'écureuil, ça m'étonne pas. Ah, ok, d'accord, j'ai deux appareils en sustentation. Bon, la prochaine chose à faire, ça sera de régler ces histoires de résolution d'appareils là. Ouais, tu peux rester là si tu veux. Ok, je reste. Donc je vais couper le moteur donc pour quitter. Non, je reste sur la fréquence quand même en attendant tout le monde. Oui, tu peux rester, enfin tu peux couper la fréquence, mais reste dessus si tu veux qu'on fasse une photo avec tout le monde. Ok, très bien, je bouge pas. Normalement, je pense qu'il y a encore Dominique à venir. D'accord. Bon, ben, pour info, donc je reste là, je vais faire mon débriefing de vol pendant ce temps en attendant Dominique. Ouais, j'arrive pas à accéder au débriefing sur TS. Ah. C'est Roméo Lima, je suis tout en haut pour l'instant, là, dans le vestibule. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un administrateur qui te débloque. Il y en a ? Normalement, oui. Bon, Georges, quand il aura fini. Alors, le départ ici, novembre, c'était bien. Ensuite, finalement, j'ai été beaucoup trop nord alors que je pensais aller vers l'ouest. C'est bizarre, c'est ça qui m'a foutu dedans. En fait, j'ai suivi la route que je voulais prendre initialement, mais involontairement, puisque je voulais aller là. Sauf que j'ai complètement overshooté. Celle-là, je ne l'ai même pas vue. C'était un mouchoir de poche en fait entre les deux. Donc mauvaise prise de route initiale, c'est pas étonnant. C'est comme ça que ça se passe toujours. Ensuite ici, donc là je m'y retrouve à peu près. J'ai eu le visuel sur celui-ci. Ah tiens, il y en a qui sont là-bas. Ah mais je pensais être sur dessus, mais j'étais pas tout à fait dessus, j'étais un peu au nord. Ensuite ça, ok, clac. Donc ensuite... Ça y est, Marcus a été débloqué. Et merci. Ici, là. Donc là, c'était bien. Cool. Là, normal. Là, c'est à peu près ce que merci, je George. Faire. Jusqu'à venir là. Ah oui. Ça, c'est la il est pas avec nous, là. Le Golf, c'est encore bravo. Tiens, on entend comme ça. Et alors après, bah, c'est bien ce que je pensais. Hein. J'ai été trop, bien trop au sud. Donc ensuite on a vu qu'il y avait une route plein est, hein, on est vers le Mont-Saint-Michel normal. J'ai récupéré, j'ai légèrement dépassé, ah ben c'est bien, moi je le cherche à gauche et il était à droite. Ensuite donc l'indice qui permettait de dire qu'on est perpendiculaire à la route, il était bon, donc on avait bien un torson sur la droite. Jusque là ça va. Ensuite je suis reparti un peu trop vers le sud, normal. Je l'ai remarqué, donc obliqué. Le passage à côté de Fougères, c'était bien. Là, par contre, j'ai pas du tout pris la bonne route dès le départ. Fougères. Pour aller sur Fougères, c'est un 139. Et ensuite sur Rennes, c'était bien un 240. Donc
voilà. Donc, oscillation, très bien. Par contre, écho, celui-là bien remarqué. Et ensuite, intégration. Et la finale, tiens, comme Dominique qui arrive là. Clac, clac, overshooté. Tac, tac, tac. C'est pas mal du tout. Donc. Pour finir, une vue extérieure. Et il ne restera plus qu'à résoudre les problèmes d'appareil. Mais en tout sens, c'est normal. Par contre, c'est de la seule et moi. Et tiens, Dominique qui est en approche. Ah, mince, là, je peux même pas. Allez, on se dépêche un peu. Bon, toujours un truc pour pourrir, et là il va se planter. Ok, bon, ben on verra pas Dominique atterrir, je pense pas. Il s'est planté P3D. Bon, ben donc au revoir. Allez, et ben là-dessus, on va terminer le vol ainsi. Bye bye. À la prochaine. En espérant que ça vous a plu. Ciao.